On fait des fautes, mais on soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 64. L'heure ou l'heure avec un S. Notre ou notre avec un accent circonflexe. Sans erreur, tu écriras. En ce 85e jour férié du mois de mai 2023, un petit comprimé très simple sur deux erreurs encore bien trop fréquentes. L'orthographe de l'heure et de notre ou votre. Commençons par l'heure, L-E-U-R ou L-E-U-R-S, sachant que l'heure n'a pas de féminin. Alors, on écrit l'heure, L-E-U-R, sans S, dans deux cas, s'il est suivi d'un nom au singulier, ce qui est assez logique. Exemple, Patrick et Martine sont bien conscients que leur futur en tant que couple est bouché. Leur couple, L-E-U-R. Second cas, lorsqu'il est suivi d'un verbe et que tu peux le remplacer par lui en mettant la phrase au singulier. Exemple, Patrick s'énerve devant la mauvaise attitude des joueurs du PSG, il leur donnerait volontiers des coups. Leur, L-E-U-R, car on pourrait dire, il lui donnerait volontiers des coups s'il ne s'agissait que de Neymar, par exemple. En revanche, on écrit leur au pluriel, L-E-U-R-S, dans deux cas également. S'il est suivi d'un nom au pluriel, exemple, leurs jours sont comptés, L-E-U-R-S, ou s'il est précédé du mot les, L-E-S, ou des, D-E-S, exemple, tous les couples ont des problèmes, mais Martine ne s'inquiète que dès leur, L-E-U-R-S. Ou encore, Patrick n'aime pas les engueulades de ses voisins, il préfère les leurs, L-E-U-R-S. Mais attention, cette dernière règle n'est valable que dans le cas où les leurs est un pronom possessif, pas lorsqu'on parle d'un pronom personnel invariable, par exemple dans la phrase « Patrick a reconnu la collection de disques vinyles des voisins éparpillés sur le trottoir, il les leur a redonné, leur L-E-U-R ». En ce qui concerne l'orthographe de notre ou de votre, avec ou sans accent circonflexe sur le O, c'est encore plus simple. Si notre ou votre est précédé d'un article le, la, les, du ou tu, tu mets un accent circonflexe. Exemple, Patrick, dit Martine assise sur un banc dans l'aéroport, attrape cette valise, c'est la nôtre. N-O, accent circonflexe, T-R-E. Dans tous les autres cas, n'en mets pas, comme dans plus que notre valise, dit Patrick, on parle de la tienne vu que tu en occupes 90% du volume. Notre valise, N-O-T-R-E. Résumé du comprimé numéro 64. Pour que ça rentre, comment correctement écrire leur et notre ou votre? Leur s'écrit au singulier s'il précède un nom au singulier ou si on peut le substituer par lui dans la phrase. Exemple, leur dîner leur semble durer une éternité, L-E-U-R, dans les deux cas. En revanche, on écrit leur, L-E-U-R-S, s'il précède un nom au pluriel ou dans le pronom possessif les leurs ou des leurs. Exemple, leur coup de gueule ne ressemble à aucun autre, ce sont les leurs, L-E-U-R-S, dans les deux cas. Pour notre et votre, ils ne prennent un accent circonflexe sur le O que s'ils sont précédés d'un article, sinon pas d'accent. Exemple, Patrick, notre taxi est en retard, on va finir par louper le vol. Le nôtre est à quelle heure déjà? Notre taxi, N-O-T-R-E. Le nôtre, N-O, accent circonflexe, T-R-E. On fait des fautes, mais on soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé, au moins aussi énervant que celui-ci. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick, ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncomprimeparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki.